Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le beau-père Joël Crasso. Nous sommes en plein cœur de Ouagayou. Nous sommes en plein Ouagayou, provenant de Saïwa pour une mission de restauration. Voilà. Pour dire en un mot que la Côte d'Ivoire est un très beau pays qui a besoin, n'est-ce pas, d'être évangélisé par l'Église que nous sommes. Par l'Église que nous sommes. Et nous autres, nous avons pour mission la destruction des œuvres des ténèbres. Pour nous, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse vraiment expérimenter la puissance de Dieu. Le ministère de la compassion des âmes, comme vous le savez bien, est un ministère d'évangélisation, est un ministère de délivrance. La preuve, c'est que nous avons un centre de prière à Zaroko, un centre de prière à Zaroko. Pour nous, il faut que la Côte d'Ivoire s'évangélise, pour que la Côte d'Ivoire soit évangélisée. Nous faisons appel à tous ces amis qui aiment le Jésus-Christ et l'œuvre de Dieu. Je ne cesse de le faire parce que nous avons besoin d'équipement, nous avons besoin, n'est-ce pas, des véhicules, nous avons besoin de la sonorisation. Pour ceux qui veulent venir en été en Côte d'Ivoire nous rendre visite, vous voyez là, il n'y a pas de problème, mais pensez à nous. Pensez à nous envoyer des instruments comme l'orgue, les claviers, les batteries, la sonorisation. Donnons-nous sur du matériel, c'est-à-dire un agent, les véhicules, pour que nous puissions sillonner la Côte d'Ivoire évangélisée. Pour nous, il faut que la Côte d'Ivoire soit évangélisée, que nous évangélisons la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir, n'est-ce pas, imposer la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous aimons les dames, nous aimons notre Afrique, nous voulons évangéliser. Parfois de moyens, nous sommes parfois moins limités. Nous faisons appel à ceux qui aiment Jésus-Christ, surtout à Audrey. Audrey depuis Londres, ma fille. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Merci à maman Dobé. Maman Dobé, et à toi. Merci, que Dieu te bénisse. Dobé Elisabeth, merci à toi, Louis. Merci à toi, Priva, depuis Londres. Merci à tous ceux qui se battent pour le prévention de la compassion des âmes. Aidez-nous, n'est-ce pas, à aller très loin dans cette œuvre que nous sommes en train de faire. Aidez-nous, s'il vous plaît, en matière de développement. Nous sommes à Ouagayou. Shalom, que Dieu te bénisse.